Aloha belle âme, j'espère que tu vas bien. J'avais vraiment envie de m'asseoir avec toi pour un partage très bref, alors que je viens de refermer les espaces d'un accompagnement individuel que j'ai fait pendant 3 mois. Donc si tu connais pas encore ces programmes, c'est des programmes intensifs que j'ouvre de temps en temps pour une ou deux personnes, parfois plus, mais en ces temps, je vais vraiment juste ouvrir certainement une place. Ce sont des programmes de 3 mois où on se voit une fois par semaine autour de transmission soins Blue Love, autour de ce que j'appelle du coaching Blue Love. C'est un coaching, je dirais, est-ce qu'on peut dire ça, un coaching spirituel pour aller vraiment dépouiller toute l'identité apprise et aller vraiment se réapproprier notre sagesse originelle. Lever tous les voiles et pouvoir vraiment se souvenir de ce que l'on est vraiment, de notre vraie nature. Pouvoir s'éveiller à l'amour dans nos cœurs et arrêter tous les schémas, tous les programmes qui nous enferment dans des cycles involutifs pour pouvoir vivre la grande magie de la vie et pouvoir vivre en conscience d'unité sur cette planète. Et j'ai donc accompagné une âme pendant 3 mois et aujourd'hui c'était son dernier jour. Et j'avais envie de te partager un petit peu tout ce qui a émergé, tout ce que j'ai ressenti, parce que pour moi, mon plus grand cadeau, c'est de vous voir, de voir les âmes que j'accompagne fleurir, s'épanouir, les voir rayonner leur splendeur et leur beauté. Et en 3 mois, j'ai vu cette âme vraiment expansée en lumière, réactivée en elle cette magie, réactivée en elle cette conscience, cette clarté, ce grand discernement, réactivée en elle une intelligence émotionnelle incroyable, réactivée en elle son authenticité, réactivée en elle toute la sagesse que nous portons en nos cœurs et qui sommeille ou qui reste endormi ou comme que recroquevillé, compressé chez certains êtres. Et de voir cette âme rayonner toute sa beauté, pour moi, ça a été un immense cadeau. Et à la fin, on faisait une rétrospective un peu sur ces 3 mois. Et je lui avais transmis des enseignements, parce que je transmets toute une série d'enseignements, ça dépend toujours pour chacun. Je ne peux jamais te dire ce qui va se passer parce que c'est une co-création, on va naviguer ces espaces ensemble en fonction de là où tu te trouves dans ta vie, donc c'est toujours différent pour chacun. Et au long de ces séances, je lui avais transmis des enseignements, comment entrer en reliance avec la nature, comment communiquer avec les éléments. Comment marcher dans la forêt et réactiver cette grande reliance sacrée que tant d'êtres ont oubliée. Et elle me partageait comme ça a tout changé pour elle. Comme maintenant, elle peut se poser au bord du lac et voir l'esprit du lac qui vient lui parler. Comment il y a cette activation, cette reliance sacrée, qui se vit à nouveau et comment il n'y a plus une nature de laquelle on est extérieur, mais il y a juste un grand un avec qui il y a une communication multisensorielle, multidimensionnelle. Et ça m'a tellement touchée, j'ai eu les larmes qui m'ont monté et pour moi, c'est mon plus grand cadeau. Parce que tu sais, si
S'il y a une certitude que je porte dans mon cœur, c'est que je sais que je me suis incarnée pour ça. Je sais que je me suis incarnée parce que j'ai un amour démesuré pour cette planète, pour les règnes du vivant, et qu'un de mes grands messages est vraiment de retransmettre, ou plutôt de réactiver dans les cœurs, cette conscience que tout est vivant et que nous pouvons nous relier à l'arbre, à l'eau, aux animaux, à tous les règnes, communiquer avec eux, leur donner notre amour, recevoir leur amour, et que quand ça s'ouvre, quand ça se réactive dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'humain, alors naît la vraie conscience, la vraie sagesse. Alors, on vit sur cette planète, dans cette grande symbiose du vivant que nous sommes venus incarner. Nous reprenons cette place de co-création avec les règnes du vivant. Nous nous souvenons que nous sommes un et que nous sommes tous en pied d'égalité et qu'il n'y a pas de l'humain qui doit dominer la nature, ou comme tu vois dans le monde. C'est parce que cette conscience a été oubliée, cette grande reliance a été coupée, qu'on détruit la planète, qu'on détruit la nature, qu'on détruit le grand vivant. Et quand ça se réactive dans le cœur de l'humain, alors l'humain sait à nouveau écouter. C'est à nouveau recevoir les messages, c'est à nouveau recevoir le murmure de l'arbre, la guidance de la terre, la sagesse de l'océan. Et alors, il devient un créateur de beauté qui crée en harmonie avec les règnes du vivant. Et là, on entre dans des process d'évolution réelle, où nous créons en symbiose et non pas des process de destruction du vivant, où l'homme veut à tout prix imposer sa suprématie sur la nature et il ne fait que détruire, 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 détruire. Et ça, pour moi, dans mon cœur, c'est mon plus grand cadeau. De pouvoir œuvrer en harmonie avec les grands règnes du vivant et de savoir que c'est possible de réactiver cette sagesse dans le cœur des humains. Parce que c'est pour ça que je suis là et pour moi, il n'y a plus grand cadeau que de sentir que je suis vraiment en train d'œuvrer comme je dois œuvrer et de transmettre ce qui m'est vraiment demandé de transmettre et de partager cette inscription profonde dans mon cœur, cette sagesse dont je me souviens et que je sais que je suis venue partager. Et ça, pour moi, ça a été un immense cadeau de sentir que voilà, pour cette âme, c'est fait. Elle est prête maintenant. Elle peut marcher son chemin et elle sait écouter. Elle est guidée. La grande magie s'est ouverte pour elle et elle me partageait que maintenant c'est ça, les visions dans la nature s'expansent et plein de choses s'ouvrent pour elle. Les grandes synchronicités. La grande magie de la vie se révèle parce que ça a été activé dans le cœur, cette conscience, cette sagesse. Et au-delà de plein d'autres choses qui ont été vécues pendant ces séances, mais pour moi, ça a été mon plus grand cadeau. Parce que pour moi, ça c'est sans aucun doute le plus important. Que chaque homme se souvienne que nous faisons partie intégrante de cette nature et qu'il est important
qu'on réactive cette communication, cette reliance sacrée, pour pouvoir alors vivre une réalité alignée avec les plans divins, avec la nature, avec les forces du vivant, ensemble, dans le grand un que nous sommes, dans une grande symbiose d'amour, dans la grande unité. Il y a tellement que je pourrais dire, et en même temps je voulais juste partager ça, comme ça, comme c'est venu. J'ai un amour tellement immense pour cette planète, et je souhaite à tous les êtres de sentir ce même amour dans leur cœur. Quand on allume ça en nous, tout change et on navigue des dimensions complètement différentes. Tout change. J'en profite pour te dire que j'ouvre alors à nouveau une place pour un programme intensif de 3 mois en session individuelle avec moi, à nouveau pour l'âme qui en sentira l'appel. Pendant 3 mois, chaque semaine, nous nous retrouverons pour la grande alchimie, le grand process d'alchimie de ton être, et pour activer ce bel amour, ce grand amour que nous sommes, tout ce souvenir de ce que nous sommes vraiment en ton cœur. N'hésite pas à me contacter si tu sens l'élan, si tu sens que c'est pour toi. Je t'invite à sentir tout cet amour dans ton cœur. Elekia lama lenao, enekia le kamaliana, nehekele o le itanao. Aloha. Tout le meilleur à toi.